Bonjour à tous et à toutes, ici Dylan 3. Alors, c'est ma première vidéo que je fais, hein. Donc, soyez pas trop sévères sur les commentaires que vous allez me laisser. Mais n'hésitez pas à me dire quand même ce qui ne va pas, ce qui va bien dans ma vidéo, dire si la vidéo vous a plu, bien sûr que vous abonnez à ma chaîne, hein. Alors, là, je vais tester le jeu Army of Two, le cartel du diable, sur PS3. Donc, c'est un jeu que j'aime particulièrement. Hein, j'avais les deux autres jeux avec Riot Salem, Army of Two et Army of Two 40 Days. C'était assez des bons jeux. J'ai connu mieux quand même comme jeu, hein, mais le jeu en coupe, pour moi, hein, personnellement, il n'y a pas mieux que ça. C'est vraiment un bon jeu pour s'éclater avec un pote, pour détendre un peu, pour se détendre, voilà, pour des tas de choses. Mais c'est vraiment un très bon jeu. Donc là on est dans le menu. Là. Il y a trois modes qu'on peut choisir. Mission, armurerie et options. Ben, les options, ben, comme vous le savez, c'est pour tous les choses, changer le son, cela, blablabla, quoi. L'armurerie, en fait, il nous monte des vidéos, personnalise un agent, arme équipée. Bon, je vais pas vous le faire montrer, hein, ça sert trop à rien, hein, ils sont sur internet. Mais si vous voulez les avoir ou que je vous les donne par vidéo, n'hésitez pas, hein. Vous m'envoyez un message en dessous de ma vidéo et je vous en ferai. Donc on va commencer par mission en solo parce que voilà, je suis tout seul. Ou peut-être, non, plutôt je vais faire ça en ligne. Hein, on va le faire avec quelqu'un d'autre. On va faire une partie rapide. Donc oui, comme vous voyez, je filme à partir d'un téléphone. Je n'ai pas l'appareil encore. Comment dire, adéquate. Attends, comment je fais? J'ai pas l'appareil adéquat pour filmer les jeux vidéo. Donc, si vous avez des liens, si vous savez quel appareil je pourrais acheter pour bien filmer les vidéos, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages ou à mettre en commentaire le nom de l'appareil que je peux vendre, des sites. À des bons prix quand même, pas des prix non plus trop élevés car voilà, je suis pas riche, hein. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Donc là, nous allons commencer la vidéo, hein. Par une vidéo d'introduction, donc je vais pas parler pendant la vidéo, je vais vous laisser la regarder. Hein. Téléchargé la démo d'Army of Two, le cartel du diable. Mon nom de code est Alpha et voici mon partenaire. Bravo. Les membres de la TWO. Alors si vous voyez pire, à couvert. They say that I'm young. I guess I'll be here forever. A step away from the age. Ears closer than ever. Get it in my mouth. Hang on! Who got you? Comme elle a dit, on va montrer à ces bullbits comment on fait. Ça risque d'être pas mal mouvementé, hein, cette vidéo. Ce qu'elle plaît, ben, ce que je suis en train de tester, ça risque pas mal mouvementé. Alors, graphiquement, je trouve c'est plutôt assez joli. Hein. C'est potable. C'est mieux que les deux autres jeux, je trouve, graphiquement. Hein. J'aimerais bien que, comme dans celui-là, il y aurait comme dans le 2, il y ait plusieurs choix. Quelque chose qui m'avait vraiment plu là-dedans. Wow. Il fait un carnage, hein. Ils sont là. L'équipe d'extraction à QG, on les a. Bien, faites-les évacuer. On s'équipe, messieurs, go. Ah oui, à savoir aussi que l'organisation a bien augmenté comparé aux deux premiers. Hein. Ils sont plus, il n'y a plus que Rios et Salem qui sont. Bien sûr, on est à l'extérieur. Là. On est derrière. Que dalle. Un hélico va venir donc vous évacuer. Là, vous je suis là avec lui, je vais traîner. Cool. Rios nous envoie une limousine. Là, je ne suis pas un pro du jeu. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai, il me suit, c'est bon. On y va. Je lance une frappe.
je vais lui faire la course, car apparemment, il a envie de monter. Viens, monte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça se fait automatiquement, ça, maintenant. Avant, non. Alors là, ça va que dans le jeu là, il y a aussi le mode KO, le mode rage, ou je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle plutôt ça le mode rage. Dans le 2, c'est peut-être moi, mais je l'avais pas trouvé, ou du moins je me rappelle plus s'il l'avait. Mais c'est un mode vraiment que j'adore. J'ai rien à dire, là, c'est un carnage quand on l'active, c'est... La première fois que j'ai activé, c'était dans le premier là, je fais waouh. Ah, ils sont forts quand même. Je crois qu'il faudrait que je me mette un pas couvert. Ah, il rentre. Ah. Alors, les touches sont assez simples. Hein. Ouais. Je trouve qu'ils sont pas si compliqués que ça. Par contre. Voilà, j'ai tiré à l'aveuglette. Apparemment, ça sort plutôt très bien. Même si j'ai failli mourir là tout de suite. J'espère ne pas mourir. J'espère. Waouh, c'est l'armure qui s'entraîne. Et voilà, un joli corps à corps. On a croisé de la résistance, on y est presque. Leurs armures, je trouve, sont plutôt pas mal. Nettoyer la zone. Il faut ouvrir l'œil. Oh. Oh, on va gérer. Cette fois-ci, par contre, j'aimerais bien que ce soit lui qui fait la course. Faire le tour pour passer. On y va. Oh. Bon, allez, je suis poli, hein. Je vais le laisser y aller. C'est de le couvrir du mieux que je peux. J'aime pas trop couvrir les gens, toujours de peur de... Comment dire? De peur qu'ils meurent à cause de moi. C'est pour ça que j'aime pas trop ce truc. Mais bon, je fais quand même. Apparemment, ils peuvent faire semblant d'être morts. Bah, c'était déjà possible dans le... Allez, on va faire un carnage. On m'appelle Paul Gillon pour rien. Ça va, ça aurait plutôt bien sorti, moi aussi. Ok, et maintenant? Faut que je trouve un moyen de traverser. T'as quelque chose de ton côté? Et voilà, merci mec. Quel con. Je me rappelle plus. Là, je suis vraiment bête. On arrive. Je sais qu'il y avait une touche pour féliciter là. Qu'il y avait une touche pour féliciter le gars ou le lui dire au contraire qu'on était pas content, mais je sais plus c'est quelle touche, je sais même pas s'il est dans le jeu là. Bon là, allez, on approche. Vous feriez mieux de pas traîner dans le coin.
moyen de faire le tour à chaque fois. Hey, cet hélico a une sacrée puissance de feu. Ça marche. Bon, on va changer d'arme, ma préférée. Fusil à pompe. J'adore cette arme, je sais pas pourquoi, bon, je suis un grand fan du fusil à pompe. Hein. Rejoignez-toi. Ce qui est énervant, ce qui est... Ah non, il est plutôt rapide à recharger apparemment. Ah oui, donc là, ça va être mouvementé. Hein. Ah. Ça aurait plutôt bien sorti. C'était chaud. On a réussi quand même. Bon. Le cartel ne résiste pas sur le blindage. Certains étaient dans l'armée. Ah, j'imagine que ça paye mieux. C'est reparti. Les gars, vous jouez les touristes. Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est lui qui a tiré. Ça fait peur. Oui, donc dans le jeu là, c'est toujours mieux de jouer à deux plutôt que jouer solo. Hein. Mais la coupe est vraiment géniale dans le jeu là. Pour se détendre et tout ça, il y a vraiment rien de mieux. Entre potes, entre frères. Je sais pas s'il va vouloir. Waouh! Ah ouais, il a ramassé l'arme, je vais pas laisser. Affirmatif, là-bas aussi, c'est tendu. Il y en a un qui prend la mitrailleuse et qui dégage les toits. L'autre descend et lance roquette. Reçu. Aide-moi à monter dans l'hélico. Ok. Allez, j'essaie de t'épauler du mieux que je peux. Tu peux y aller. C'est bon. En position. Je vais te couvrir d'ici. En surveillant que ça soit pas en surchauffe. Hein. Qu'il faut que tu vas. Je sais pas ce qu'il faisait, rester cloué sur place. Ouais, je suis en scrollade. Je sais pas s'il sait que le gars a sa chose de rage, hein, qui n'hésite pas à l'utiliser. Bon. Je lui ai mis. Dégonne le lance-roquette, vite! Je fais ce que je peux! J'ai eu le lance-roquette! Bien reçu! Un petit bug, la sulfateuse fait plus de bruit. Parfait. C'était un petit bug. Oh là là. Attention, attention.
il attend, hein. Sinon j'étais bon pour être un train de se rendre. Ah, on va t'éclater, ça, prends-toi ça. Ah, c'est mal malin maintenant, hein. Oh oh. Et voilà pour cette vidéo de Army of Two, le quartet du diable. Le troisième de la série Army of Two, je précise. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ceux qui veulent voir des vidéos, tout ça, vont aller sur la mienne, bien évidemment. J'espère de vous que vous allez laisser quelques petits messages. Sympathique, ça serait quand même bien, hein, mais n'hésitez pas à dire plein de négatifs sur la vidéo. Désolé encore pour la qualité. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des adresses pour acheter l'appareil pour filmer les jeux vidéo et tout, n'hésitez pas, donnez-moi tout ce que vous pouvez. Vous rappelant que je vais mettre en message mon pseudo PS3, n'hésitez pas à m'ajouter. Sachez aussi que je suis un très grand fan de Naruto, j'ai tous les jeux. J'ai commandé le troisième Naruto 103, ben le quatrième sans compter génération. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu à cause de toute la neige qu'il y a eu, il y a eu un problème dans le transport, mais je n'ai pas tardé à le recevoir. Mais j'ai tous les autres Naruto, donc si vous voulez faire des matchs, ceci, cela, n'hésitez pas, hein, invitez-moi, demandez-moi, faire des parties, il n'y a pas de souci, on s'en fera. Donc sur ce, je vous souhaite un bon jeu, j'espère que ma vidéo vous a plu. Allez, à très bientôt.